Bonjour fans, bienvenue sur notre chaîne des nouvelles du football. Si vous êtes un fan de football, vous ne pouvez pas manquer nos vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos mises à jour. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Zidane veut que Neymar sorte, l'attaquant de Barcelone s'il devient l'entraîneur-chef du PSG. Sans travail depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane devrait revenir à la direction du football la saison prochaine. Les rapports suggèrent qu'il rentrera chez lui pour diriger le Paris Saint-Germain, qui n'a pas été impressionné par l'actuel patron Christophe Galtier. Zidane reprendrait une équipe du PSG parsemée de stars, notamment Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos, qu'il a dirigé au Real Madrid à deux reprises. Neymar serait également dans l'équipe, mais Todd Fichage pense que Zidane chercherait à passer à la superstar brésilienne. Neymar a déjà été lié à un départ, mais le Brésilien est resté dans la capitale française et a connu une première moitié de saison phénoménale. Cependant, sa forme a chuté ces dernières semaines et Zidane devrait se débarrasser de lui s'il prenait les rênes. Si Neymar est licencié, on pense que Zidane remplacera l'ancien joueur de Barcelone par un joueur actuel. Ousmane Dembélé a été en grande forme pour les Blaugrana cette saison, mais son avenir n'est pas clair car il n'a pas encore signé de nouveau contrat. Avec son contrat actuel expirant en 2024 et avec une maigre clause de libération de 50 millions d'euros, Zidane vise un déménagement pour Dembélé s'il ne parvient pas à convenir de nouvelles conditions avec le Barça, ce qui serait un désastre pour les dirigeants de la Liga. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse ton avis dans le commentaire, si tu ne l'as pas encore fait, likez, partagez, et abonne-toi pour plus de contenu sur All Football Fan.